Notre sœur, Claire. Diane t'en a certainement déjà parlé. Non? Faut pas lui en vouloir. Certains silences sont comme des sagesses. Tu sais. Bref. Nous avions une sœur. Claire. Mais je me souviens d'elle parce que une ou deux fois par mois, elle passait des journées entières le nez dans un mouchoir, à pleurnicher. Et rien ne pouvait la détourner de son chagrin. Ni les meilleures blagues, ni les plus grandes confessions. Toute tentative de la distraire était vaine. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de raison à ses pleurs. C'était le même qu'il disait. Sinon une tristesse très vieille. Si vieille qu'elle l'avait probablement ressentie pour la première fois dans une vie antérieure. Au Moyen-Âge ou au temps des rois fainéants. Depuis, vois-tu, sa tristesse revenait à fréquence régulière. Impossible pour Claire d'y échapper. Inutile. Elle appelait ça ses jours de chiale. Elle les accueillait en rigolant, comme des cousines. Mais ses yeux restaient toujours mouillés. J'aurais pu l'étrangler ces jours-là, à ne pas pouvoir l'aider. Je me sentais tellement humilié. Puis un jour, Claire s'est tuée. Elle avait 17 ans. Tout le monde a été tellement surpris. Je t'assure. Avant le chagrin, c'est l'étonnement qui a régné dans notre maison. Elle était belle, ma sœur. Et heureuse. Et tout avec elle se faisait inconvénient. Tu comprends? Elle partageait tout. Si ce n'est ça, justement, ces jours de chiale. Et moi, je pense que ce sont ces très vieilles tristesses qui l'ont tué. Je pense que on sous-estime énormément la tristesse en général. On meurt toujours de tristesse en fait. Tu crois que la tristesse s'installe en nous dès notre naissance? Oui. C'est ça. Comme la couleur des yeux. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et pour ce soin, les autres ne peuvent rien. Personne ne peut rien pour ou contre notre couleur des yeux.